Eh bien, salut tout le monde et bienvenue pour un tout nouveau Let's Play sur ma chaîne YouTube. A noter que je fais un test sur Halo Wars pour l'histoire de reprendre des Let's Play petit à petit. Donc, il se peut qu'il y ait des petits problèmes de synchronisation de son. Donc, c'est vraiment des tests que je suis en train de me refaire sur ma chaîne YouTube. Ça fait quand même plus de 3 ans que je vous ai pas fait de vidéo. Ça va revenir petit à petit, il me suffit que je trouve le temps, mais voilà. J'ai décidé d'attaquer le Halo Wars, donc on va bien voir ce que ça va donner. C'est pour ce premier Let's Play. Donc, je voulais refaire toute la licence des Halo, donc c'est le tout premier dans l'ordre chronologique, c'est Halo Wars, et puis après on verra pour la suite, pour les prochains. Donc là, on va faire une nouvelle campagne. Non. Rapport du Donc je vous laisse capitaine, la scène cinématique. 4 février 2531. 5 ans. 5 longues années. C'est le temps qu'on a mis pour reconquérir Harvest. Go, go, go! Toujours avec des très belles scènes cinématiques. Au début, tout allait bien. Mais échec après échec. Il reste magnifique, hein. Franchement, les scènes cinématiques. Bon. Défaite après défaite. Ce qui devait être une guerre éclair s'est transformé en 5 années d'enfer. Voilà ce qu'est devenu Harvest. Un véritable enfer. Mais un enfer qui est à nous. Les musiques, elles sont vraiment excellentes aussi. J'adore. Le 2, il était quand même moins bon. Mais le premier était vraiment pas mal. Mais oui, ça se passe 20 ans avant les événements du premier Halo, comme dit Halo Valvide. Donc une fois que les Let's Play seront vraiment concluants, j'attaquerai le Reach. Et encore, le Reach, je suis pas sûr de pouvoir vous le faire parce que j'ai l'intention de le faire en extrême. Serena, statut. Vaisseau en orbite, système opérationnel. Activez les modules et tous les systèmes d'armement. Il y a un problème, capitaine? Harvest est peut-être à nous, mais les Covenants ne le voient pas de cet œil-là. Sergent Forge, rapport. Ça grouille d'ennemis par ici, mon capitaine. Et ils ont trouvé quelque chose dans la glace. Bon sang. Ça complique la mission. Anders, vous avez des infos? Capitaine, les scanners de la région Nord indiquent une intense activité Covenant à la surface. On dirait qu'il y a une sorte de structure. Que pensez-vous qu'ils recherchent? C'est ce que nous allons découvrir. Nous devons rendre la base Alpha opérationnelle et prendre le contrôle de ce site. Je vais me préparer, capitaine. À mon avis, vous ne pourrez jamais venir sur le premier vol, ma petite dame. Sergent, repliez-vous jusqu'à la base Alpha. Je vous envoie des renforts. Bien reçu. Terminé. Alors, vous pensez que c'est faisable? C'est peut-être la clé de la victoire, Serena. Il faut le tenter. Capitaine, Alpha est foutu. Je crois que ce n'est pas la peine d'envoyer des renforts pour le moment. Cette situation a assez duré, sergent. Serena, au rapport. De nombreuses troupes abandonnent la base Alpha. Il est quand même très bien vieilli, si je joue là. Si Forge parvient à les regrouper, nous devrions pouvoir reprendre la base. Bien reçu. On va réunir les survivants et reprendre la base Alpha. Allez, c'est parti. Oh, c'est... Prêt à rouler. On s'en va. C'est rapide. En plus, ils tournent sur Series X, alors ils ont dû améliorer pas mal de petites choses. On est coincés.
Alors, je vais essayer de faire le bélier. Pour essayer ça va marcher, bien entendu. Ouais, c'est bien foutu. Hein. C'est l'air d'être pas mal foutu. Attendez, j'essaie un truc parce que là. Notez que j'enregistre sur un microphone aussi, donc. Enfin, un microphone. Avec mon téléphone pour voir si c'est bien ou pas. Parce qu'il m'était impossible de mettre mon micro sur mon PC, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je trouve le problème. Alors, je sais même pas en quelle difficulté je suis d'ailleurs. En extrême, il doit être vachement hardcore en tout cas. Bah, il est pas si bien que ça encore graphiquement. C'est un jeu là c'est le remaster hein, je joue. Oui, on va vous aider. Ah, hop, on va essayer de faire un bélier. Il faut savoir que dans les Halo Wars, il n'y a seulement que deux factions. Il y en a une SSC et les Covenants, bien entendu. Que ça, si vous voulez le faire en multijoueur, c'est ça. Il n'y a pas les Floods ou les Forerunners. D'ailleurs, les Forerunners, ils existaient, mais les Forerunners, ils sont réellement venus sur Halo 4, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Mais les Forerunners, c'est pas jouable, quoi. Alors, je sais pas si le 2, il y a les Forerunners, par contre. Je m'en souviens plus du tout. Je sais plus quel Halo je vous ai fait en let's play il y a fort longtemps, je crois que c'était le Guardians, je crois, comme ça. Il me semble que c'était le Guardians. Ouais, vous désirez ? Le Guardians c'est le 5, hein ? Je sais même plus. On y go ? Oui, le dernier c'est Infinite, j'étais en train de chercher. Allez go ! Bon bah apparemment l'enregistrement vocal a l'air d'être pas mal sur mon téléphone. Je vais bien voir avec le montage vidéo ce que ça va donner. Allons-y. Bon, ne soyez pas trop intransigeant parce que voilà c'est la reprise des let's play. Donc ça fait au moins 3 ans que j'en ai pas refait, donc tant que je m'en habitue, il me faut un peu de temps. En plus, pour faire du Halo Wars, c'est cool quoi. J'aurais pu le faire sur PC aussi, parce qu'avec OBS, on peut faire pas mal de choses. Incroyable. Il nous empêche de rentrer dans notre propre base. Bien. C'était quoi ces caisses là? Ne passe pas, mais des soldats si. Désactivez-moi cette barrière en vitesse. Il doit y avoir un succès, je crois, sur le boîtement. Merci, d'accord. On y va, lancez l'attaque. Oh là, attends, ils sont. Envoie donc l'assaut. Ah oui, il faut péter ça. Les ennemis. Ouais, il faut bien, c'est des gauches. Sortez les grenades. Yes. La voie est libre. En avant, messieurs. Feu à volonté. J'aime bien la musique en arrière parce que. C'est vraiment cool quoi. Bah après c'est très Halo quoi aussi. Appui aérien en route, sergent. Ils vont pilonner les blindés. C'est cool hein. Puis ça pète tout partout, c'est excellent. Après je gérais pas mal de unités, c'est vrai que c'est pas évident, c'est un peu le bordel quoi. Ennemi droit devant, ça va chauffer.
Et à noter que celui-ci a été fait. Ah, je sais plus, c'est Ensemble Studio. Donc, c'est les développeurs des anciens Age of Empires. Très bonne série de jeux vidéo aussi, et de jeux stratégie. Et je crois que le 2, ça a été fait par. Par Creative Assembly, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, des développeurs qui ont développé les Warhammer, le Alien et l'Isolation. Voilà, c'est pas des manches, quoi, en fin de compte. Même pour la Halo Wars 2. Je l'ai fait qu'une fois à Halo Wars 2, donc j'ai très peu de mémoire là-dessus. Mais c'est un. J'ai préféré nettement le premier pour vous dire. Bon voilà, c'est fini pour la première mission. Esprit de feu, ici Forge. RAS, situation normale. Quels sont les ordres? On a repris la base Alpha. Sergent Forge, vous devriez explorer la zone. Donc voilà pour la première. J'ai un succès. Ah oui, d'accord. Couleur écrasée. Vous avez amélioré votre score dans une mission de campagne. Oh bon, c'est cool. C'était pas prévu. Donc voilà pour mon premier essai. Donc à noter que c'est un petit test que je suis en train de faire. Ça va être très courte la let's play, ça va être au pile poil. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour le deuxième let's play. Je vais essayer de faire un let's play par mission, il y en a 15 en tout. Donc je ferai ça à ce moment là donc si les vidéos sont très très courtes, ça serait nickel. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Je vous dis à la prochaine et ciao ciao.